Il y a vraiment beaucoup de gens que je connais et qui ont aussi fini leurs études, qui ont leur diplôme, mais qui au bout d'un moment arrivent dans un moment de leur vie, puis maintenant je fais quoi? On m'a formé à devenir, à maîtriser mon instrument à tel niveau. J'ai appris des concertos, j'ai appris, etc. Mais maintenant on me lâche et je fais quoi? Et du coup, moi j'ai envie aussi de tendre la main à tous ces gens à travers mon projet et de leur dire, bah tiens, tu vas pouvoir et avoir un peu de visibilité. Pouvoir faire de la musique, c'est hyper important. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singulier. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défait, sculpté, aiguillé et parfois même bouleversé. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les « je m'en sortirai jamais »,« j'ai pas le temps » ou « je le ferai plus tard » ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Il est 23h quand on commence cet enregistrement. C'est un épisode un peu atypique car nocturne où un musicien se raconte. Entre deux trajets, je reçois donc Pierre à Lyon. Pierre Takahashi est pianiste. Avec l'enseignement et ses projets qu'il mène en parallèle, il ne cesse de vouloir créer et apporter une forme de fraîcheur à la musique classique. Il est le créateur du projet Le Trio Incomplet. Il cherche à assembler musique, voyage et rencontres. Une autre façon aussi de rompre les clichés de cet univers élitiste qu'est la musique classique. Il ne pensait pas en arriver jusque-là et pourtant beaucoup de choses l'attendent. À cette heure tardive donc, il se raconte et c'est parti pour un nouveau quart de siècle. Et en 2018, c'est le chômage auprès d'un jeune sur quatre, finit les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle, mais financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Salut Pierre. Salut. Alors, on est en direct de Lyon. Bon, c'est un peu tard, d'habitude j'enregistre pas une heure aussi tardive. Ouais. Donc on espère que malgré voilà, nos emplois du temps bien busy, qu'on sera assez alerte pour cet entretien. Mais en tout cas, donc, tu es Pierre Takahashi. C'est ça, exactement. Et donc comme je disais, tu es pianiste et tu es à l'initiative donc, du projet Le Trio Incomplet. Ouais. Et j'aimerais que tu me dises un peu avec tes propres mots ce que c'est et ce qui vous attend, puisque du coup vous avez avec ton associé, je sais pas si je peux l'appeler comme ça. Ouais, ton acolyte. Mon compagnon de galère, on pourrait dire ça. Je voilà. Sais pas. Enfin, j'aimerais bien en tout cas, que tu m'expliques avec tes mots ce que ça va être et en tout cas ce qui vous attend là. Alors, le Trio Incomplet, c'est quoi? C'est mon dernier projet. C'est un projet qui allie à la fois la musique, les voyages et les rencontres. C'est un projet qui... L'objet principal jusqu'à maintenant, c'était, et c'est, de partir en voyage dans une ville à l'étranger en général, enfin jusqu'à maintenant à l'étranger, là où a vécu ou a œuvré un compositeur. Et tout le voyage jusqu'à cette ville, en fait, mène... En fait, à trouver un troisième musicien, parce qu'on est deux musiciens, et mène à trouver un troisième musicien ou une musicienne afin de compléter notre duo pour en faire un trio, d'où le nom Le Trio Incomplet. Et tout le voyage, eh ben, il se fait sans argent, 0 €. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a envie d'aller vers les gens et que d'utiliser 0 €, en fait, ça, si tu as envie de boire un verre d'eau par exemple, bah, tu es obligé d'aller demander aux gens. Allez, en fait, quand tu vas vers l'autre, ça apporte tellement de choses, c'est tellement enrichissant que ça soit pour... c'est vraiment très enrichissant. Donc du coup, voilà l'idée. L'idée, c'est d'aller vers l'autre. Et aussi, comme on est musicien, d'amener la musique, et la musique classique, parce qu'on est tous les deux de formation classique, ailleurs. Hors des salles de concert, hors des manières conventionnelles de la pratiquer, cette musique classique, ce répertoire. Et de l'emmener même... vers des oreilles qui n'auraient pas l'habitude de l'écouter ou qui la connaîtraient pas. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a pas mal de belles surprises, les gens sont curieux, etc. Et donc, c'est très chouette tout ça. J'essaie de la sortir de son cadre
Oui, qui est assez codifiée, qui est réservée à une certaine classe sociale, etc. J'essaie de la sortir de là, ouais. Et comment ça t'est venu cette idée? Alors, cette idée de musique, enfin de trio incomplet, comment c'est venu? Parce que déjà, t'es Je musicien. pense que, oui, déjà, je suis Voilà. musicien, j'aime les voyages. En fait, je pense que ça vient de loin. J'étais assez surpris de voir que pas mal de proches m'ont dit, oui, ben, ce projet, tu l'as depuis longtemps. Alors que ce projet, pour moi, j'ai eu cette idée-là, je pense, en été 2017. Ben, du coup, c'est là où je me suis dit, tiens, je vais faire le choix de porter ce projet, de faire quelque chose autour de ça. Mais en fait, quand mes proches en parlent, j'ai l'impression quand ils disent ça, qu'en fait, ils disent, tu l'as vraiment depuis bien plus longtemps. Pas depuis 2017, mais depuis sans doute au moins une dizaine d'années, peut-être même plus, depuis qu'ils me connaissent, en fait. Alors pourquoi? C'est une bonne question. Je viens d'une petite ville, dans le Jura, à Dole. C'est là où j'ai grandi. Et en fait, on est obligé de partir de cette ville. On est obligé de partir quand tu passes le bac, tu passes ton bac. Tu as quelques études supérieures à Dole, mais c'est très peu, c'est des BTS, des choses comme ça. Et tu es obligé de partir. Donc, du coup, les jeunes Dolois sont amenés à partir la plupart du temps. C'est ce qui m'est arrivé. Et finalement, le fait de partir du cocon familial, à la fois c'est difficile, mais en même temps, bah, tu vas à la découverte du monde. T'as vu ça comme une découverte du monde à tes Ouais, 18 ans? plutôt. Ouais. Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que déjà, juste après mon bac, j'ai passé un bac S. Je suis allé en prépa physique-chimie, sciences de l'ingénieur. Ah oui! Donc là, j'étais pas du tout dans un cursus. Je faisais du piano depuis que je suis tout petit, depuis que je sais pas, j'ai 5-6 ans. J'étais au conservatoire. Mais je n'avais pas pour idée de devenir pianiste professionnel. Je m'étais dit que je n'abandonnerais jamais le piano. Mais après le bac, j'étais plus dans une démarche de me dire, je ne sais pas tout à fait ce que je veux faire. Ah, Et t'es mes allé en parents m'ont prépa. dit, bah vas-y, tu peux aller en prépa, donc va en prépa, tu fermes pas de porte. Enfin, j'y suis allé. J'y suis resté une année. Une année où j'ai pas été très assidu. Plus l'année s'est écoulée, plus j'allais plus en salle de musique dans le lycée, où il y avait la prépa, que en salle de cours. Au point que je me souviens très bien que mon prof de maths à l'époque, en prépa, à la fin d'année, au mois de juin, m'avait dit, Pierre, ici, c'est pas un abri, parce qu'il pleuvait ce jour-là, et la salle de musique était occupée, donc j'étais allé en cours. Ouais, donc déjà il y a quelque chose qui se Voilà, tramait. il s'est passé quelque chose pendant cette année-là où j'ai voulu, finalement, c'est là où j'ai vraiment fait le choix de me dire, attends, non, mais j'aime bien le piano, j'aime bien, ça m'évoquait beaucoup de choses. J'aimais la musique, j'aimais le répertoire du pianistique, j'aimais travailler le T'as toujours son. été, oui, c'est ça, dans le répertoire classique, c'est quelque chose Ouais, que t'aimais. j'avais une formation classique et j'avoue qu'en fait, j'aimais bien la musique classique. Et puis, j'aimais vraiment l'idée de pratiquer son instrument, de chercher à aller toujours plus loin, être dans une sorte de cheminement. C'est quelque chose qui me plaisait, qui me parlait. Et puis, le côté aussi, alors là, c'est plus bohème, plus poétique peut-être. Peut-être, on peut imaginer facilement quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans, un jeune qui rêve un peu comme ça, qui se dit, tiens, ah là là, si je joue du piano, que je voyage, que je rencontre des gens, machin, ça va être super chouette. Donc, ça m'a vachement séduit. Au point que bah, j'étais en prépa, hein, c'était l'heure d'une pause entre deux cours. Et là, j'ai appelé ma prof de piano. Et ça a été le coup de téléphone, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Je lui ai dit, écoute, bah, j'aimerais bien faire que du piano. Et je pensais que, je sais pas ce qu'elle allait dire en fait à ça. T'attendais quoi? Ouais. Je sais pas, je voulais avoir son avis. Et elle m'a dit, bah écoute, bon, elle me sentait déjà un peu tout fait tout flamme, etc. Donc elle m'a dit, ok, pourquoi pas, mais il faut que tu prennes ton temps, que ça mûrisse cette idée. Et en fait, c'était au mois de décembre, je pense, que j'ai eu cette idée-là, que j'ai eu cet appel-là. Et donc j'ai eu 6-7 mois à mûrir concernant cette idée-là. Voilà. J'avais un examen qui s'appelle l'EDM à l'époque. Au conservatoire qui se déroulait en mai, et en fait, mes parents m'avaient dit, puisque mes parents se disaient, tiens, mon fils va devenir ingénieur, machin, c'est super. Et en fait, ouais, là, j'arrive, je dis, non, j'ai envie de faire du piano, j'ai envie d'être pianiste.
Et là, tout d'un coup, ils étaient complètement stressés, anxieux, parce qu'ils n'avaient jamais eu de fils musicien, enfin, de proches dans la famille. Ils n'avaient pas eu de cursus de musicien. Dans la famille, il n'y a pas de créatif, de musicien. Voilà. Donc, ils ont beaucoup discuté avec mes profs de piano de l'époque. C'était vraiment une volonté qui est devenue de plus en plus forte. Au point que, au bout d'un moment, j'en avais plus rien à faire. Mes parents m'avaient dit, si tu as ton examen, on te donnera le feu vert. Si tu réussis le... Moi, j'avais tout misé là-dessus, il fallait à tout prix que j'ai ce truc. Et je l'ai eu. Donc j'ai réussi, et à partir de là, j'ai fait que du piano. C'est-à-dire, je suis allé au conservatoire à Dijon, avant j'étais à Dole, chez un autre professeur, j'ai repassé un 2M là-bas, et voilà, j'ai poursuivi comme ça, après je suis allé sur Paris, pour mes études pianistiques. Mais voilà, du coup, pourquoi je parlais de ça? On est revenu très loin en arrière. Cette idée-là de... De rencontres, de voyages, que du coup, forcément, tes amis... Voilà, forcément, en tout cas, eux avaient vu en toi déjà ce projet. Ils l'avaient peut-être déjà senti à ce moment-là, en se disant, tiens, Pierre est en prépa, et tout d'un coup, il nous sort un projet complètement loufoque, de dire, tiens, j'ai le pianiste, et je devais en parler de manière assez artistique, quoi. Je pense pas que je pensais à l'enseignement à ce moment-là, du piano, je pensais plus au côté, un mec qui joue du piano et qui voyage. Interprétation. C'est ça. Et puis après, voilà, j'ai continué mes études pianistiques et je disais que je suis arrivé à Paris. Et en fait, peut-être c'est un lien un peu plus probant avec le projet du trio incomplet actuel, c'est que quand je suis arrivé à Paris, alors les quelques premiers mois, 3-4 premiers mois, je détestais cette ville. C'est compliqué quand on connaît pas. C'était compliqué. Et puis, j'ai rencontré une Russe dans un train, par hasard. Hein. Et puis, elle s'est devenue une amie... Et en fait, lors d'une fois où elle était à Paris, parce qu'elle vivait en Russie, elle avait entendu parler d'une librairie qui s'appelle la librairie Shakespeare and Company. Oui, c'est connu. Ouais, tu connais, je sais pas. C'est connu près de Saint-Michel. Voilà. Et donc, du coup, elle m'y a amené. Et vraiment, ce lieu m'a marqué. Je crois que ça a été un truc assez fou. Je suis rentré dans ce lieu, il y avait un petit piano à l'étage. Tu peux jouer pour les gens. J'ai joué et les gens m'ont écouté. Et j'ai discuté avec eux de manière tout à fait... simple, direct, et j'ai trouvé ça assez fantastique. Du coup, je suis retourné à cette librairie, mais tous les jours, c'était devenu presque ma deuxième maison. Et en fait, à chaque fois, j'encontrais plein de gens, plein de gens. Et je commençais à prendre l'habitude, finalement, de parler aux gens, d'aller vers eux, et de leur dire, c'était devenu presque trop, en fait. Je croisais quelqu'un dans la rue, je disais, viens, on va prendre un café. Les gens étaient presque choqués, surtout à Paris, tu me diras. Il y a beaucoup d'étrangers dans cette librairie. Enfin, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'étrangers et ça m'a permis de faire plein de potes, d'amis, etc. Et aussi, à ce moment-là, c'était la période où je commençais à faire du couchsurfing. À partir de là, en fait, le couchsurfing, c'est dormir chez l'habitant, passer du temps avec les gens qui t'accueillent ou que tu héberges. C'est pas juste un hôtel, quoi. Voilà, c'est pas un hôtel. C'est surtout pas un hôtel. Pour moi, le fait que c'est un hébergement gratuit, c'est du bonus. L'idée, c'est vraiment de passer du temps avec les gens que tu reçois. Et en fait, tout ça, j'étais dans une période, plus Paris, plus voilà, cette ville qui est en pleine, qui est très dynamique, où il y a plein de gens, tu peux rencontrer n'importe qui à tous les coins de rue. T'as l'impression de rencontrer personne aussi, parfois. Ouais, alors peut-être, mais pas à ce moment-là de ma vie. Là, j'étais vraiment dans l'idée de me dire, mais en chaque personne, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une richesse. Il y a tout parcours est intéressant. C'est pourquoi j'aime bien ton projet aussi, toi. Tout parcours est hyper intéressant. Que ce soit quelqu'un qui a fait des grandes études, ou qui soit connu, ou quelqu'un qui a fait sa vie tranquillement, qui n'a pas bougé de là où il a grandi, qui fait un métier qui pourtant n'est pas... Qui n'envoie pas du... Ça ne crée pas un effet waouh, mais pourtant il y a toujours quelque chose à creuser. C'est ça, et c'est hyper... Enfin, j'étais vraiment dans cette idée-là, je trouvais ça très très beau. Très très beau de discuter avec les gens et de voir en fait qu'ils me nourrissaient énormément.
Ouais. Et donc, tu as eu ce déclic, en fait, de ce projet quelques années... Enfin, ouais, alors quelques années plus tard, je pense que... 6 ans après, au moins. Ouais, 5-6 ans après. Ouais, 6 ans après. Et comment... Puisque du coup, il s'en est passé des choses entre. Ouais. Et comment tu as eu l'envie de mener ce projet? Parce qu'après, il y a certes en fait, le concept et qui est le tien là, de ce nouveau projet. Mais pourquoi tu en es amené à avoir eu envie de créer un projet? Est-ce que c'était quelque chose qui te manquait dans ta vie de... Alors, c'est possible. Oui, bah, du coup, ça faisait une année que je faisais que de donner des cours de piano. Alors, des fois, j'étais amené à jouer quelque part. Mais c'est une année où j'ai quand même beaucoup... enfin, essentiellement, je n'ai que des cours. Et bien que j'aime bien le métier d'enseignant, de professeur de piano, c'est très enrichissant, que ce soit pour ma pratique pianistique, ou pour moi, et aussi d'apprendre auprès des élèves, transmettre quelque chose aux élèves. Enfin bon, je ne vais pas expliquer pourquoi je suis enseignant de piano. Oui, c'est mais, forcément enrichissant. C'est très enrichissant. Mais il y a ce côté où j'avais besoin de plus de challenge, d'aventure, de création, de voyage, de... Ouais, je sais pas. Ouais, de quelque chose qui bouge plus, qui move plus, quoi. Et aussi peut-être de création, parce que dans le projet, il y a beaucoup de création, finalement. Le fait de porter un projet, ça t'appelle, ça te demande à être très créatif. Et... Puis à côté spontané que tu dois peut-être un peu moins être en tant que prof. Voilà, c'est très structuré quand même et c'est très confortable. Mais il y a ce côté justement d'imprévu qui me manque peut-être. Et donc voilà, et il y a eu cette émission qui existe et qui s'appelle Nuit et culottée. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Mmh. Où tu vois deux compères qui voyagent sans argent, machin. Et puis ils arrivent à vendre du rêve et ils le font très très bien et c'est très très beau aussi. Et ils partent à poil. Et ils partent à poil. Oui. Mais, quand même, mais faut du coup, le dire. Ça, quand je les voyais, je me disais, mais purée, mais c'est tout ce que j'ai ressenti depuis ces dernières années. Et à chaque fois que je voyais un épisode, je me disais, ah purée, il faut que je parte. Oui, il y avait un truc quand même. Il faut que je parte. Et puis au moment, je me dis, mais allez, j'ai qu'à partir. Je me suis dit, mais je suis pianiste, alors je pourrais peut-être faire quelque chose. En plus, avec de la musique. Et de là, en fait, est venue peu à peu l'idée de partir en tant que musicien à la rencontre des gens et de jouer de la musique. Et en fait, ça a été peut-être le déclic de me dire « Ah ouais, mais en fait, c'est possible de le faire. » En fait, en quoi je remercie les mecs de Nuit et culottée, c'est de m'avoir montré que c'était possible de le faire. Après, ouais, le projet, je ne sais pas comment il a pris forme. Je ne saurais pas trop l'expliquer. C'était graduel, peut-être. Ça a été de manière assez naturelle. Mon idée de base, je sais même plus c'était quoi, à vrai dire. C'était de partir, oui, ça c'est sûr, et de jouer de la musique, mais je sais pas vraiment ce que je recherchais. Est-ce que tu avais déjà l'idée de trouver un compagnon de route? Oui. Ouais, je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau de partager les choses à deux. En fait, c'est marrant, dans le voyage, je trouve que on s'appelle le trio incomplet parce que de manière musicale, on va chercher un troisième instrumentiste. Mais en fait, pendant tout le voyage, à chaque fois, je me dis ça. C'est qu'en fait, on est deux, mais que le troisième, c'est déjà tous les gens qu'on rencontre. On arrive à Strasbourg. Et aussi parce que c'est dur de partir tout seul. Peut-être que j'en étais pas prêt, j'en sais rien. On a marché de Kel, là, qui était derrière. On va chercher quelqu'un pour nous héberger ce soir. En espérant qu'on y arrive, mais on y arrivera. Ça y est, Tine, il est trop optimiste. Il se sent plus là. Je peux vous dire que je faisais pas le malin pareil hier soir, non? Ouais, ça, je peux vous dire aussi. Parce que t'es quelqu'un qui voyage beaucoup de base ou pas? Ouais, je voyageais pas mal. J'ai crapahuté un peu. Oui, je suis parti dans pas mal de pays. Seul. Et ouais, j'ai appris à voyager seul. Ça, c'était chouette. T'es parti voyager où? Seul. Tout seul, tu veux dire? Ouais. En Russie, le dernier... Ouais, en Russie, je suis parti en Angleterre plusieurs fois. Je suis parti, je sais pas, en Allemagne, en Europe, quoi, enfin, des pays d'Europe. Mais le voyage en Russie a été peut-être le plus marquant. Avec en Angleterre, c'est pour ça que je cite les deux. Okay. En Angleterre, j'étais plus jeune, j'étais adolescent. Et justement... Mais déjà, tu t'es embarqué dans des voyages seul, en tout cas. Ouais, mais j'avais pas fait trop le choix. On m'avait dit... J'étais mauvais en anglais, on m'a dit... Il faut que tu ailles en Angleterre.
Et en fait, je suis allé en Angleterre dans une famille à la base, et ça s'est très bien passé. Du coup, j'y suis retourné, et je sais pas, j'y suis allé peut-être une vingtaine de fois maintenant en Angleterre. Ouais. Okay. Du coup, mais justement, j'étais parti tout seul, et en fait, être à l'étranger tout seul, ça m'a beaucoup apporté. Et après, plus la Russie, où c'est très loin, machin, en plus j'y étais allé en train. Et puis là, tout de suite, c'est plus la même langue, plus le même alphabet. C'est plus la même chose. Et en fait, j'adorais voyager tout seul à ce moment-là. Mais quand même, voyager comme ça tout seul. Puis porter le projet aussi. Porter le projet et se dire, là, j'ai utilisé 0 euro. Là, j'étais peut-être plus en me disant, ouais, c'est aussi vraiment un compagnon de galère. Hein. Ça, c'est. T'attires peut-être plus l'empathie camarade, aussi c'est... quand vous êtes deux. Enfin, aussi. Il y a quelque chose de plus rassurant aussi pour l'autre, je pense. Ça, je me le suis déjà dit. Ouais. Mais après, encore faut-il le trouver, ce compagnon de route. Il fallait le trouver. Il fallait le trouver. Je suis parti d'abord avec un clarinettiste, Adrien. Et ça, c'était quand? C'était en octobre 2017. Donc, 2 mois après que j'ai décidé de faire ce projet. Ah oui. Donc, je lui avais dit, écoute, je cherche quelqu'un pour partir. Il m'avait dit, je suis intéressé. On va partir, on va aller dans la ville de Beethoven, à Bonn, en Allemagne. Et voilà, on va jouer de la musique sur le chemin aux gens qu'on rencontre. On n'utilisera pas d'argent. Et il a fait OK. Et je ne le connaissais pas beaucoup. C'était un camarade d'école. On n'était même pas de la même promo, donc je le connaissais peu. Je l'avais vu 2-3 fois à des soirées, mais c'est tout. Et on est parti. Et c'était super, cette expérience. Combien super. De temps vous êtes parti? On est parti une semaine, okay. Une bonne semaine. Et c'était un voyage test. Hein. Bon, déjà, c'était possible. Et, un petit crash test. Et c'était génial. Enfin, c'était génial. On est arrivé, dès le premier jour, on s'est retrouvé dans une écurie à jouer du Mozart pour des chevaux. Alors moi, j'avais pas de piano parce que j'en porte pas de piano. Mais lui avait sa clarinette à ce moment-là. Et c'était drôle. Et bon, il se trouve qu'Adrien est très impliqué dans un projet qui s'appelle le collectif de l'autre moitié. Puis il est devenu papa. Tout gérer à la fois, c'était compliqué. En plus de ça, et je pense qu'il voyait aussi les choses comme c'est une sacrée expérience de partir avec rien. Vous avez votre sac à dos quand même, hein ? Oui, on a un sac à dos avec 2-3 vêtements et le matériel pour filmer, mais c'est tout. C'est une sacrée expérience et je pense que lui, il le vivait plus comme une expérience de vie. Et il voulait pas forcément le refaire. Et il se trouve qu'il y avait eu plusieurs personnes qui étaient intéressées pour partir avec moi. Et donc, du coup, il se trouvait qu'il y avait un mec qui était de Dole, la ville où j'ai grandi. Je le connaissais pas, je connaissais son père, mais je le connaissais pas lui, je l'avais jamais rencontré en fait. Et puis, bah, du coup, je lui ai dit, bah, écoute, pourquoi pas, allez, vas-y. Et alors, lui aussi, je sais pas pourquoi il s'est embarqué, il faudrait lui poser les questions. Il a aussi ses propres raisons, c'est pas les mêmes que moi. Mais il est parti, et donc, du coup, l'été dernier, on est parti en Norvège, avec 0 euro. Et là aussi, c'était une expérience assez folle. Et donc avec Valentin. Et avec Valentin, parce voilà. Oui, on dit son nom. Et puis, bah, ça s'est super bien passé, au point que, pour le coup, Valentin, lui, veut s'impliquer dans le projet et le continuer. Et du coup, on repart avec Valentin cet été en Italie, à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Destination finale, Rome. Voilà, Rome. On voulait faire moins loin qu'Oslo, en Norvège. Parce que ça nous fait courir, ça nous fait... On n'avait pas le temps de s'arrêter, de prendre du temps avec les gens. Donc on s'est dit, Rome, c'est un peu moins loin. Parce qu'en fait, l'idée du projet, en fait, c'est ça qui est assez fou, c'est que... Enfin, encore une fois, peut-être maintenant, je ne sais pas encore exactement comment va... Quel sera le projet dans 1 ou 2 ans. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, on a envie de partir en voyage, on a envie de le partager avec les gens, on a envie de partager les valeurs que l'on porte, cette idée de partage, cette idée de générosité, cette idée de choses simples, en fait. Cette idée de faire de la musique de manière simple, surtout dans nos... Enfin, oui, ça aussi, je ne l'ai pas dit, c'est une des raisons de... Tu disais, oui, tu as voulu sortir la musique classique, machin, de son ouais, contexte. Les clichés. Mais pourquoi? Mais c'est sans doute parce que pendant mes études, pour le coup, au conservatoire et au conservatoire supérieur, que je me suis senti trop fermé, trop enfermé, plutôt. Dans un cercle fermé? Dans des... Je sais pas. J'ai du mal à l'expliquer, mais... Tu parles au niveau des gens? Non, je pense pas au niveau des gens, parce que les gens sont assez... Ouverts d'esprit ou... Ouais, ils sont tous dans des... Ils ont tous un parcours, ils ont tous... Enfin, ils viennent de plein de milieux différents, tous, c'est assez chouette.
Mais je sais pas, c'est peut-être les études en elles-mêmes, je saurais pas trop dire quoi, mais il y a quelque chose Ouais, c'était trop scolaire finalement. C'est marrant, c'est des études artistiques. Quand tu dis à tes parents, vas-y, je vais faire du piano, je vais faire des études de piano, t'as pour beaucoup de gens, ils vont se dire, oula, c'est quoi ce mec loufoque, c'est quoi ces études, ils imaginent ça comme un truc d'artiste, machin. Finalement, quand tu es dans les études, tu te rends compte que c'est hyper scolaire, en fait. Après, c'est valable dans tous les milieux créatifs. Enfin, aussi Ouais. bien moi, par exemple, dans design graphique, ce soit Amélie, tu vois, dans Ouais. l'épisode 1, bah, elle le dit très bien et enfin, je partage son point de vue par rapport à ça. On nous apprend à construire pour mieux déconstruire après. Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, nous, c'est pareil. Hein. En école d'art, tu passes par un enseignement parfois très classique dans certains Ouais. cours pour mieux arriver, toi, à déconstruire certaines choses une fois que tu les as apprises. Et en musique, vous avez quand même beaucoup de règles aussi. Oui, en musique classique, il y a beaucoup de règles, de codes, mais en fait, je pense pas que ça soit par rapport aux connaissances qu'on t'apporte. Ça, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est plus dans la manière de faire, la manière de comment on te présente les choses. Et en fait, il y avait des moments, j'ai l'impression que c'était un non-sens. Et du coup, ayant fait ce cursus, je me suis posé la question à me dire, tiens, mais c'est gentil, c'est supérieur, mais finalement, est-ce que ça a du sens avec le métier après, toi, avec ce que font les gens? J'avais l'impression que toi, c'était peut-être pas forcément. Enfin, ça te Bah, servait à rien. j'avais l'impression qu'il y avait des contradictions dans les discours, qu'il y avait des non-sens, qu'il y avait des. Je me posais la question, quoi. Alors, du coup, j'ai fait tout un mémoire là-dessus. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que c'est quelque chose qui me perturbait, tiens, me dire, tiens, on fait de la musique, on fait machin, mais je pense que quand j'ai fait le choix de faire que du piano en prépa, j'avais pas cette idée-là. C'était une idée, je savais qu'on vivait quand même, principalement quand même, de l'enseignement quand on se lance dans la musique Mais classique. t'étais pas naïf non plus, Non, je tu... le savais, mais j'y pensais pas à cette époque-là, j'y pensais pas. Je pensais à intégrer un conservatoire supérieur, je pensais à faire ce genre de choses, quoi. Mais j'y pensais pas. Et après, plus tard dans les études, mais aussi c'est le fait de peut-être de grandir. Et surtout, je pense que les 2 dernières années de mes études m'ont permis où j'étais plus justement sur des questions de pédagogie, etc. Puis où c'était en plus c'était dans une école qui est un peu hors code à Lyon. En fait, j'ai fait un SUP, un concert SUP, et après je suis allé au CFEDEM pour avoir le DAE aussi. J'ai eu les 2 diplômes. Et Qui te permet d'enseigner? ouais, Ok. le diplôme d'NSPM d'interprète qui atteste d'un certain niveau d'instrument, et puis le DAE, le diplôme d'État, c'est plus pour l'enseignement. Et en fait, cette école à Lyon était carrément unique pour moi. Et je pense que ça m'a fait mûrir. J'étais allé à Paris, j'ai fait à Strasbourg dans un SUB, machin. Et toujours dans cette idée, il faut devenir un super instrumentiste. Et là, tout d'un coup, et justement, pour mener où, on ne sait pas trop. Que là, j'étais dans un truc bien plus terre à terre, bien plus mûr, bien plus. J'ai trouvé très intelligent cette formation. Parce que ça me permettait de me questionner sur des choses vraiment. Je vois beaucoup de jeunes musiciens, et c'est aussi ça que j'ai envie de faire dans le Trio Incomplet, c'est de mettre en avant des musiciens, des jeunes musiciens, ou des musiciens, mais pour un moment plutôt des jeunes musiciens, et qui ne sont pas forcément des gens qui gagnent des concours internationaux, comme le concours Chopin. Ce que j'ai envie de faire dans ce projet, c'est aussi mettre en lumière des jeunes musiciens qui finalement font de la bonne musique, qui jouent bien. Ils sont pas forcément excellents ou brillantissimes comme un grand prix international, mais c'est des gens qui jouent bien, qui jouent même très bien, des gens. Et en fait, il y a beaucoup de gens pourtant qui font des études dans les conservatoires supérieurs, etc. Et puis en fait, qui vont arrêter en cours de route parce qu'ils se sont fait casser pour une raison débile. Mais des fois, c'est complètement nul, hein. Enfin, et puis c'est blessant. Certains Je pense que dans certaines structures, certains enseignants ou certaines écoles sont vraiment trop élitistes, au point qu'on en perd le côté humain. Et du coup, bah, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie
de dire, mais attendez, revenons quand même à la base, quoi. On fait de la musique, et la musique, c'est quoi? C'est du partage. Même la musique classique. Il y a vraiment beaucoup de gens que je connais et qui ont aussi fini leurs études, qui ont leur diplôme, mais qui, au bout d'un moment, arrivent dans un moment de leur vie, puis maintenant, je fais quoi? J'ai fait tout ça. On m'a formé à devenir, à maîtriser mon instrument à tel niveau. J'ai appris des concertos, j'ai appris, etc. Mais maintenant, on me lâche et je fais quoi? Et du coup, moi, j'ai envie aussi de tendre la main à tous ces gens à travers mon projet et de leur dire, bah tiens, à travers mon projet, tu vas pouvoir avoir un peu de visibilité, tu vas pouvoir jouer, pouvoir faire de la musique, c'est hyper important. Jouer en musique de chambre, c'est ce que je fais principalement maintenant. Pas qu'avec le trio complet, aussi avec d'autres musiciens. Mais ça fait tellement du bien. On a choisi de faire de la musique, pas pour enseigner au début, je pense, pour moi. Alors ça, c'est pour moi. Pas pour forcément... se dire, ah ouais, ça y est, j'ai gagné un prix international et tout. Non, mais tout simplement parce qu'on aime la musique. Et que la musique, jouer de la musique, ça fait du bien. Et du coup, bah, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais vas-y, fais de la musique avec nous. C'est ça que j'aime, en fait. Surtout dans les musiques un peu indie ou des gens qui font... Ouais, enfin voilà, tu vois, des gens qui jouent de la folk, etc. Il y a ce côté où... Vas-y, on sort la gratte et on joue. Et on fait un truc ensemble. Qu'on s'attend moins à la musique classique. En musique classique, en général, quand des musiciens de musique classique se rencontrent à une soirée, c'est « Ah, tu viens d'où? T'es de quel conservatoire? T'as fait quel conservatoire? T'étais chez quel prof? Ah ouais, ce prof-là. Ah d'accord. » C'est que des trucs comme ça. Mais mince! Et après, les gens vont porter un jugement parce que, sans t'avoir écouté, parce que t'as étudié dans telle maison avec tel maître de tel instrument. Et c'est n'importe quoi. Surtout des gens qui sont dans des sup. Hein, encore, tu me dirais, c'est des gens de deuxième cycle au conservatoire. Bon, c'est pas pareil. Des gens qui sont dans des sup, ils ont passé des concours d'entrée, etc. Et finalement, tout est dans un truc très artificiel, en fait. Et puis, bah, c'est ce que me disait un ami qui a fait son master au CNSM de Paris, en piano. Il me disait, le jour du master, mais enfin, les 3 semaines avant, c'est atroce l'ambiance là-bas. Alors que les mecs, ils sont dans la meilleure école de France, il n'y a pas mieux. Et l'ambiance est exécrable. Et après, tout va se jouer à la mention. Mais la mention, c'est toujours subjectif, un examen de musique classique. Alors bien sûr, c'est pas que subjectif, il y a plein de critères pour dire si la réalisation de l'interprétation était excellente ou non, si c'était bien fait, etc. Mais à un certain niveau, je pense que ça joue. Il y a quand même une part de subjectivité. Mais les gens qui n'ont pas une bonne mention ou qui ont la moins bonne mention, bah, les gens ne leur parlent plus. À ce point. Bah, c'est ce qu'ils disaient, ouais. Je pense que... Mais c'est le cas même dans les autres conservatoires. Et pas forcément sûr. Et c'est assez souvent. Alors je dis pas que c'est que ça. Mais ça arrive assez souvent. Et moi, dans mon parcours, ça m'est arrivé que je passais mon examen à Paris, tout d'un coup, j'avais mention très bien, et là, je me souviens très bien qu'il y avait des gens qui commençaient, il y a toujours des histoires, qui racontent des trucs, toi, sur toi, avant l'examen, et il y a ce mail, c'était sur Messenger, une conversation, tout d'un coup, une nana vient et m'écrit un message. Le lendemain des résultats de l'examen, fait, ah, mais félicitations. Enfin, franchement, j'ai toujours cru en toi, machin. Je sais pas quoi. Alors que la même personne disait pas la même chose il y a 2 semaines avant. Enfin, c'est qu'un monde hypocrite. Enfin, du coup, voilà. Ouais. Je trouve que c'est pas que ça, mais il y a de ça. Et j'aimerais bien revenir à des choses saines. Mais en tout cas, comment du coup tu fais intervenir les musiciens dans ce projet de triangle à couplet? Comment je les fais intervenir? Tu dis que tu aimerais les mettre en avant, les aider. De plusieurs manières. Déjà, le trio en complet, c'est des voyages, on se filme. Maintenant, il y a des films sur les futurs voyages. On va faire des films. Et donc, dans l'objectif aussi que ça grandisse. Déjà, oui, ça, théoriquement. Bon, en tout cas, c'est la voie qu'on prend et le projet se développe. Mais le trio en complet, finalement, c'est... déjà dans les films, ce que j'aime bien en fait, c'est comment faire découvrir un musicien, parce que le musicien, alors on en fait découvrir finalement plusieurs,
en Norvège, finalement, sur la route, on a rencontré des musiciens. Mais l'objectif, c'est quand même d'arriver à une destination, de rencontrer un musicien là-bas qu'on ne connaît pas. Et en fait, tout le voyage, toute la quête, ça va être de trouver un musicien. Donc déjà, si les gens voient les épisodes, les films ou les documentaires qui vont sortir, il y a tout cet aspect de dire, tiens, qui sera le musicien? Et puis, on va rencontrer ce musicien d'une manière très simple, en fait, parce qu'on ne va pas le rencontrer sous une forme de clip musical avec une super interprétation. Non, on va le rencontrer, on va peut-être le rencontrer dans la rue, on va le rencontrer dans un... par hasard. Au bar. Voilà, au bar. Et finalement, on la vit tous les jours de manière très, très simple. Et déjà, voilà, on va... Déjà, la manière d'aborder, de montrer les gens est quelque chose de... que j'aime bien, qui est assez vrai. Et puis après, pour le coup, pour le mettre quand même un peu plus en valeur, étant donné que la musique classique, c'est quand même quelque chose d'exigeant, dans la réalisation, c'est ça, que ça demande du travail, hein, on peut pas... Bien qu'on veut rendre les choses cool, c'est difficile de faire choses de très bien. Je voulais garder cette idée de qualité dans la réalisation de ce qu'on fait. Et donc du coup, on peut pas faire quelque chose de très bien en rencontrant quelqu'un en 24 heures. On joue ensemble. Donc l'idée, ça a été... Bah, parce que vous connaissez le morceau, oui. Mais pas la personne. Voilà. D'ailleurs, quand on était en Allemagne, on s'est retrouvés devant un orchestre allemand. On cherchait un violoncelliste à l'époque, au premier voyage. Et tous les violoncellistes de l'orchestre avaient trop peur de se dire où je dois jouer un truc avec des gens en moins de 24 heures. Donc voilà, on s'est dit, on va inviter la personne à venir en France et à donner un concert. Faire des petits concerts avec le trio complet, et donc on s'est dit c'est possible, c'est réalisable. Par exemple, cet été, notre violoniste norvégienne qu'on a rencontré va venir à Dole en France dans un petit festival de musique pour jouer avec nous. Et à ce moment-là, non seulement on donne un concert, mais en plus on va faire un enregistrement avec elle, et là de manière pro, travailler avec un clip, etc., qu'on diffusera sur les réseaux sociaux, au moins sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est en ça qu'on met en lumière aussi les gens. On les met en lumière pendant le voyage de manière très simple. Et puis après, il y a un retour vraiment purement musical où là, voilà, c'est vraiment bien plus conventionnel, pour le coup. Et même objectif pour Rome, alors. C'est la même chose. Et vous avez choisi votre morceau ? Ouais, ce sera le trio de Debussy. Alors Debussy n'est pas italien. Enfin, pas ce que je cherche. Mais... Il a vécu à Rome, il a tenté le prix de Rome plusieurs fois, il a obtenu un prix, et du coup on s'est dit, voilà, ça suffit. Parce qu'en fait, en Italie, on cherchait un compositeur italien qui écrit pour piano, violoncelle et quelque chose, et le seul qu'on ait trouvé, je crois que c'était Corelli ou quelque chose comme ça, et à vrai dire, on n'était pas fan de... Pas emballé. Pas emballé. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas Debussy, machin, c'est Valentin qui a eu l'idée. Et voilà, et du coup... Oui, donc petite magouille pour que ça rentre, et puis voilà. Petite magouille, il faut l'avouer. Mais voilà, après, on ne sait pas si le trio incomplet sera juste aller chercher un troisième musicien. Et puis, en même temps... Puis en fait, ils ne font pas d'études de musique, mais qui sont brillants. Aussi, il y a ça. Moi, ce que j'aimais aussi dans le fait de partir à l'inconnu, parce qu'on ne connaît pas le musicien, c'est qu'on peut... Le but, c'est de trouver, par exemple, un violoniste, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Et pour le moment, ça ne nous est jamais arrivé. On est toujours tombé sur les gens qui avaient étudié la musique classique, qui l'étudiaient, en fait. Il se pourrait qu'on trouve sur quelqu'un qui soit autodidacte. Enfin, qu'on tombe sur quelqu'un qui soit autodidacte. Et vous n'êtes pas freiné à ça, quoi. Voilà, et ça pourrait être hyper intéressant. Très, très intéressant. Donc, voilà. Mais moi, je me demandais, est-ce que tu n'aurais pas
Parce qu'il y a du t'en as arrivé quand même des expériences et aventures dans ces différents voyages. Mmh. Est-ce que tu as, par exemple, un truc qui te vient en tête, quelque chose, un moment, une expérience qui t'aurait marqué au sein même de ce projet, mais du coup, dans ces voyages, quelque chose qui te vient en tête? Oh. Il y a beaucoup de choses. Et c'est pas, j'ai l'impression que chaque rencontre est assez forte. Je sais pas, je... Je te demande pas la préférée ou quoi que ce soit, mais ouais. Quelque chose en tout cas là qui en tout cas à l'heure d'aujourd'hui te revient en tête et t'a marqué dans ce parcours. C'est compliqué parce que vraiment, à chaque fois que je pense au voyage, je retrace vraiment toutes les personnes qui... T'as plein de visages. J'ai vraiment beaucoup de visages. Vraiment. Et que ça soit même là, tout de suite là, à l'instant... Je viens d'imaginer le mec qui nous a pris à Morteau en voiture. Et on a fait le voyage avec lui de Morteau jusqu'à Danemarie. On ne l'a jamais recroisé, on ne s'est jamais réécrit. Alors qu'il y a des gens, on est resté bien plus longtemps avec eux, on a dormi chez eux. Que ce soit bah, justement à Danemarie, on était tombé sur des petits vieux de 84 ans, médecins à la retraite, qui nous avaient hébergés le soir d'Halloween. Mais je ne sais pas, en fait, Ouais, non, là, c'est difficile à dire comme ça. Ouais. Et il y a des moments difficiles, faut imaginer. Ouais, c'est ça aussi, parce qu'on a l'impression que c'est tout beau, vous partez en voyage. C'est tout beau, mais il faut... Il faut accepter de se reprendre des refus aussi, quand même. Il faut... Alors oui, ça, bah, je le disais, je l'avais dit il y a deux ans, enfin un an et demi, je l'ai dit, oui, ça, au moins ça nous apprend aussi à le refus. Il y a plein de gens qui refusent, évidemment. Évidemment, et heureusement, peut-être. Je sais pas, mais... Ce que je veux dire, oui, il y a des moments aussi plus difficiles que ça. Pour le coup, c'était entre Copenhague et Malmö, donc entre le Danemark et la Suède. On a eu un mec qui s'est arrêté en voiture. Il nous a pris, il était sympathique. Il s'est fait arrêter à la douane, mais on ne l'a jamais revu. Et la voiture était embarquée. Et les douaniers nous ont appelé un taxi pour qu'on arrive à la ville la plus proche, en Suède. Et là, sur le coup, en fait, l'épisode a été assez difficile, stressant. Anxiogène. Notre conducteur est devenu très nerveux une fois arrêté, quand on était dans la voiture avec lui, avec les douaniers. Et la situation était quand même assez, ouais, était très, très stressante. Et oui, du coup, ça, à ce moment-là du voyage, on s'est dit, ouais, c'est beau, il y avait beaucoup de belles choses, mais il faut quand même rester prudent. On ne saura jamais, alors c'est ça qui est atroce, c'est qu'on ne saura jamais si ce type était quelqu'un de bien, ou s'il s'est fait arrêter pour des clichés, justement, parce qu'il était syrien. Tout ce qu'on se souvient de lui, c'est qu'il a été très sympa avec nous, et qu'il a été très nerveux avec les douaniers. Donc on ne saura pas. Et on ne saura pas mais non voilà, plus. Donc c'est vrai que non, mais c'est pas tout beau, faut le croire. Puis il y a des moments où on galère, il y a des moments où on ne mange pas, il y a des moments où on stresse un peu, c'est en ça aussi que pour le coup être deux, c'est chouette. Et puis à nouveau, vous l'avez choisi aussi de faire tout ça, donc bien sûr que ça rentre dans des galères, mais que entre guillemets vous assumez jusqu'au bout de toute façon. Oui, c'est ça, on assume jusqu'au bout, on va jusqu'au bout de nos limites, j'ai envie de dire. J'ai pas envie d'aller au-delà des limites. Enfin, t'as eu des moments où tu t'es senti non, non mais tout dépend d'au-delà de nos limites, je veux dire, ça dépend. Mais surtout, ce que j'ai pas envie, c'est que Valentin et moi soyons en danger. Mais je préférerais largement, et ça nous est pas arrivé, mais je préférerais utiliser ma carte bleue, parce qu'on a quand même nos passeports, nos papiers, machin, puisqu'on voyage, tout ça, et on sait jamais sur ce qui pourrait nous arriver, en fait. Mais je préférerais utiliser l'argent une soirée, que ce soit pour manger, dormir, ou je sais pas quoi, pour mieux repartir le lendemain, que être dans une situation critique et devoir arrêter le voyage. Je suis pas dans un challenge. C'est pas Pékin Express, quoi. Ouais, je vois. Enfin, c'est un challenge. C'est déjà un challenge de faire ça, de faire la démarche, toi. Mais je veux pas être dans le côté spectaculaire des choses. Ça sert à rien. Ça mènera à rien. Et ces temps-ci, je vois beaucoup de vidéos YouTube où les gens font un challenge de regarder 10 heures ça, ou de vivre ma journée à l'envers, des trucs comme ça. Mais ça ne m'intéresse pas.
C'est pas ça l'essence du projet. L'essence du projet, c'est quand même d'être aussi, d'aller vers les gens, de discuter avec eux, de les écouter. C'est marrant, on est musicien, d'habitude les gens nous écoutent, et là, c'est nous, on cherche à écouter les gens. Et c'est pas de vas-y, on va faire 500 km ou 3000 km avec bah justement avec 0 euros. En fait, 0 euros, beaucoup de gens bloquent là-dessus, mais c'est normal. 0 euros, ça paraît un peu bizarre dans notre société. Mais en fait, 0 euros, vraiment, on le rappelle, on n'utilise pas l'argent pour aller vers l'autre. Et on s'est posé beaucoup de fois la question, est-ce que finalement c'est bien? Est-ce que ne pas utiliser d'argent, c'est bien? En quoi? Alors il y a même une fois, on s'est dit, bon, finalement, si on rencontre les gens, puis après on va donner de l'argent, on va payer le repas, ou je ne sais pas. Et puis finalement, on est revenu dessus, on s'est dit, non, on va quand même faire, je vais avec 0 euros. C'est bien plus intéressant, parce qu'il y a aussi cette idée de musique comme monnaie d'échange, de voir jusqu'où la musique va nous porter. Mais voilà, c'est, en tout cas, l'idée, c'est que c'est un prétexte. C'est une contrainte qui vous permet... Voilà, c'est pas le projet en soi. Le projet, c'est pas d'argent. C'est pas un challenge à ce niveau-là. C'est un challenge sur d'autres points. Voilà. Ok. Et bah, ça fait un bon moment qu'on parle. Ouais, je sais pas. Ouais, là, tu étais emporté dans les flux. Non, mais c'est Non, mais ouais, en plus, c'est j'ai dit trois choses, puis je me suis dit qu'il faut... Faudrait pas dire tout ça, il y a des trucs qu'il faudrait pas dire. Non, en vrai, c'est hyper... Enfin, on a envie, en fait, on se voit un peu dans la voiture avec vous, en train d'être dans vos galères, et moi, maintenant, ce que j'aimerais te demander, à la limite, pour finir, et puis s'il y a d'autres choses aussi dont t'as envie de parler, mais là, t'en es là. Mmh. Donc, ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que... Donc, tu continues même l'enseignement que t'as commencé, sûr, voilà, ouais, il y a 2-3 ans. Et quelles sont tes envies, donc, pour la suite? Pour ces prochaines années, pour ce prochain quart de siècle, qu'est-ce que là aujourd'hui, c'est peut-être même tes envies futures proches qui sont pas forcément voilà dans 15-20 ans, mais quelles sont les envies actuelles de Pierre? Ben, j'ai envie de continuer des projets. Alors, on a parlé beaucoup du trio incomplet, mais en tout cas, je vais vraiment rentrer dans une dynamique de projet en moi-même, tu vois, enfin, de manière assez personnelle. Musicale? Musical, mais pas que forcément, avoir des projets, développer des projets, et puis réussir à... Parce que ces projets me portent. Tu vois, le fait d'avoir même là, ces temps-ci, on va dire, j'ai un ou deux projets, enfin, j'ai le trio incomplet, puis il y en a un qui est en train de naître. Et pareil, le fondateur, créateur, voilà, c'est moi qui suis en train de naître dans ma tête, je vais pas en parler là, parce que c'est trop frais encore. Mais en fait, le fait d'avoir ces projets, alors pourtant j'enseigne, je donne mes cours, mais finalement à côté c'est comme si c'était un vrai travail hein, de porter un projet. Mais au point que ça m'apporte tellement du bien, tellement positif, que ça a beaucoup de répercussions sur ma vie. Ça me redynamise, en tant que professeur. Alors on parlait que, je dis souvent que enseigner, et je l'ai dit tout à l'heure, ça t'apporte. Parce que les enfants, les élèves se posent des questions, ont besoin de résoudre un problème, entre guillemets, et du coup, tu vas devoir développer ta propre méthode pour répondre, enfin, ça t'enrichit. Puis il y a l'échange, il y a aussi des réflexions qu'ils ont, des fois les enfants qui t'aiment... Même là, j'ai un élève, bon, c'est pas un enfant, lui, il est étudiant, mais il a ENS en mathématiques, et puis en fait, comme il est très pointu au niveau mathématique, il me sort des trucs... Enfin, il m'apporte des choses finalement musicalement, il m'apporte vraiment des choses. Et tes projets t'apportent quand même, tu trouves une voilà. certaine et finalement beauté. Le fait de jouer, que ça soit aussi le fait de jouer en tant que musicien, mais le fait d'avoir des projets, ça m'apporte des choses, ça dynamise mes cours, c'est ça que je voulais dire. Ça apporte les choses à mon enseignement. Et du coup, c'est aussi ça peut-être que j'ai envie de faire, c'est réussir dans mon enseignement à sortir aussi de cette manière un petit peu conventionnelle peut-être dont je mène les choses, parce que j'ai été formé et que... D'une certaine façon, et que je retranscris un petit peu ce que j'ai vécu. Mais justement, ce que je suis en train de développer, j'ai envie de l'apporter peu à peu dans mon enseignement. Et je commence à sentir quelques idées, à dire tiens, ça je pourrais envisager de faire ça avec les élèves, et ça ferait quelque chose qui n'est pas un cours de piano conventionnel. Voilà.
Après... Puis même dans ta vie personnelle, ça doit quand même vachement te humaniser. Oui. Ça fait du bien. Ouais, faire porter des projets, ça me permet de parler avec beaucoup de gens, de rencontrer des gens. C'est marrant, mais les gens me nourrissent vraiment. À chaque fois que j'ai eu des projets dans ma vie, les gens m'ont nourri. Et c'est en discutant avec eux que finalement, j'ai réussi à construire mes projets. J'avais, par exemple, écrit une pièce de théâtre musicale il y a 5 ans, 4 ans. Un one-man show musical. Je l'avais joué à Strasbourg, etc. Toute l'histoire, quand je l'écrivais, parce que j'étais l'auteur, j'en discutais avec mes amis, etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est eux qui ont écrit l'histoire, alors que finalement, c'est mon histoire, mais ils m'apportaient tellement de choses. Donc oui, c'est vrai que ça a des interactions sur ma vie personnelle, au niveau, avec les autres, avec mes proches, avec... Et puis voilà, après, je sais pas, dans 10 ans où je serai exactement, d'avancer. Oui, non, mais on te le souhaite, ça, forcément. Mais ouais. En tout cas, oui, voilà, t'es quelqu'un qui est porteur de projets au-delà de... Comme tu l'as dit, au final, ce que je trouve intéressant même de finir là-dessus, quand on dit, Pierre, pianiste, au final, c'est bien plus que ça. T'es pas juste... tu n'interprètes pas juste de la musique, tu essaies vraiment de partager toutes les valeurs qui sont les tiennes à travers donc, différents projets. Et c'est hyper intéressant de voir que tu t'arrêtes pas juste à je me reproduis dans une salle de conservatoire, puis c'est tout. Ouais. Ou d'être juste prof, ou d'être juste. Enfin, tu fais plein de choses très différentes et très variées, et ça se voit que ça te remplit. Moi, c'est quelque chose qui est important, je trouve. Ouais, peut-être en ça, j'aime bien le côté électron libre. Je trouve ça chouette. Moi, en tout cas, j'arrive pas à rester dans un cadre précis, dans un milieu bien précis. Et c'est pour ça, sans doute, que j'ai fait le trio incomplet aussi. C'est pour redécouvrir d'autres univers à travers les gens. Si ça peut inspirer les gens de se dire, tiens, ouais, c'est bien de... Il faut pas hésiter à aller voir ailleurs. Comme ça. Non, mais on a compris. Voilà. Hein. Il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à aller... À sortir de sa zone de confort. À quoi. Sortir de sa zone de confort. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est mieux dit. C'est pas mal. Il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort, à expérimenter. On a le droit à l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. L'échec n'est pas mal. Ah, vraiment, on a le droit à l'erreur. Et vraiment. Faut être tolérant, c'est ça. Ce sera beau. C'est très, très beau. Superbe fin. Il faut être tolérant. Voilà. En tout cas, le départ est prévu pour... Le 30 juillet. 30 juillet. Tout sera relié et j'invite tout le monde à aller voir ce beau projet qui, de toute façon, sera bien documenté en images et en vidéo. Oui, grâce à beaucoup de gens, on va pouvoir acheter un super matériel pour se filmer. Parce que malheureusement, là, la campagne Hulle est finie. Ah oui, non, ça... Mais en tout cas, c'est un beau projet que vous menez avec Valentin, mais donc là... en l'occurrence qui a l'initiative de tout ça, donc merci Pierre. Bah, merci à toi et puis il est temps maintenant d'aller dormir. Super tard. Je sais pas, faudrait peut-être le préciser. Ouais, en vrai il est presque minuit et voilà. J'ai jamais fait un enregistrement à une heure pareille, mais c'est comme ça, t'as plein d'énergie quand mais c'est la magie de voilà la magie de l'enregistrement. Soyons tolérants, on a le droit de travailler jusqu'à cette heure là c'est ça. Merci beaucoup Pierre. Ouais, merci à toi. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram, j'adore avoir vos avis, et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de Pierre, ce musicien, a été illustré par la pétillante et appliquée Mélanie Gentil. Donc mille merci à toi Mélanie d'avoir pris le temps. N'hésitez pas à aller voir son travail, que ce soit sur son site ou son compte Insta, donc Mélanie Gentil. C'est frais, ça fait du bien, sa façon de fixer le mouvement en instant est tout à fait singulière et ça mérite le coup d'œil. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes.
Et même si tu es encore plus motivé de chez motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain.